nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Jean chapitre 13. Jésus s'apprête à livrer sa vie pour nous sauver. Auparavant, il tient à laver les pieds de ses disciples. Lui, qui est le Fils de Dieu, veut ainsi nous montrer ce qu'est le véritable amour. Aimer, c'est se faire serviteur. C'est s'abaisser devant la terre sacrée qu'est l'autre. Nous aussi, nous devons nous laver les pieds les uns aux autres. Comment ? En vivant la charité fraternelle, en pardonnant, en prenant soin des plus pauvres et des plus petits, afin de permettre à l'amour de Dieu de se répandre à travers nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait « Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. » Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.